Issus des quartiers populaires de Marseille, ils ont entre 8 et 16 ans et découvrent pour la première fois le campus marseillais de Lumini. L'occasion pour ces jeunes de découvrir le monde universitaire et d'échanger avec les chercheurs. Tu sais ce qu'on y fait à la faculté ? Non. Est-ce que tu sais ce qu'on y fait à l'université de Lumini ? Non. Un nom qui en dit long. À cet âge-là, rares sont ceux qui savent à quoi sert l'université. Mais alors, comment expliquer un constat pareil ? Les matières scientifiques font peur et du coup, ils ont peur de faire des études de sciences à l'université. Parce que pendant toutes les années scolaires, les matières scientifiques servent à sélectionner. Elles ne servent pas à montrer une passion, elles servent à sélectionner. Du coup, après, les élèves se disent, j'en ai assez, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant je ne veux plus entendre parler de sciences. Et donc, en montrant autrement la science, en montrant comment elle se fait, comment elle se fabrique, quelle est la passion des chercheurs, on essaye de montrer que la science, c'est un métier comme un autre. Pour inverser la tendance, le campus marseillais a décidé d'ouvrir ses portes et d'organiser des ateliers, comme celui-ci baptisé « Marcher sur Mars ». Vous voyez les forces qui s'exercent sous ses pieds ? Allez, tu peux Ces ateliers, comme celui-là, sont bien plus qu'un simple jeu. Ils informent les enfants sur toutes les formations existantes. Par exemple, être étudiant à la fac de sport, c'est pas seulement pour être prof de sport. En fait, il y a une vraie richesse de cette filière sportive qui est trop souvent cloisonnée dans l'esprit des gens. Et en fait, on voit que par le biais de cette filière sportive, on peut étudier le comportement d'un conducteur, on peut étudier le comportement d'une personne en centrifugeuse, on peut étudier des tas de choses, on peut passer par l'étude des animaux, etc. etc. Et c'est ainsi que pour faire voler les drones, les chercheurs de cette université ont d'abord étudié le vol des mouches.